c'est vrai, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, la team va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online où on va se retrouver, les gars, pour tous les moyens de se faire de l'argent cette semaine. Toutes les nouveautés sur GTA, vous savez bien que Rockstar nous met chaque jeudi des nouveautés, que ce soit des nouvelles courses, des nouvelles activités, des promotions, etc. Et aussi, bien évidemment, des nouveaux véhicules. J'espère que ça va vous faire plaisir. Donc, c'est parti. Donc, désolé aussi, les gars, de mon absence sur YouTube. Ça fait environ un peu moins d'une semaine que j'ai plus fait de vidéos. J'en suis vraiment désolé. Mais comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je n'ai Il n'y a plus rien à faire sur GTA, il n'y a plus de glitch, il n'y a vraiment plus rien qui sort. C'est pour ça que j'ai décidé d'innover un peu ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va faire plus de fun sur ma chaîne. Ce week-end, je vais tourner avec plein d'abonnés, vous allez voir, je vais faire plein d'activités, des séances, etc. abonnés, où je vais tout simplement vous inviter dans des activités, que ce soit des courses, des affrontements. On va faire tout ça ensemble, je vais rec tout ça, et après je mettrai sur ma chaîne. Donc bien évidemment, les glitchs, les activités, les promotions, etc. Les actus resteront toujours sur ma chaîne. Et en plus de ça, il y aura plus du fun, puisque je vais faire plein d'activités avec vous. J'espère que ça va vous faire kiffer. Voilà, première vidéo normalement ce week-end. Et bien évidemment, un nouveau glitch de duplication, probablement cette semaine, j'espère. Donc voilà. Donc les gars, on va directement pouvoir commencer. Donc c'est parti. N'oubliez pas les gars, tout ce que je dis vient bien du site officiel de Rockstar Games. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez que je fasse des activités avec les abos. J'espère que ça va vous faire plaisir. Donc cette semaine déjà, première chose, on a un tout nouveau véhicule, les gars, qui est la Pegasi Zorusso. Donc les gars, la Pegasi Zorusso, 2 millions de dollars, une super sportive. Voici la petite caractéristique. Je trouve qu'elle a la petite air de Zentorno, je la trouve assez kiffante, tandis qu'apotable, franchement, elle est propre. Franchement, elle est propre. Voilà, donc n'oubliez pas les gars que tout ce que je vais vous montrer pour se faire de l'argent, forcément, ça va servir plus aux pauvres qu'aux riches. Ce qu'au déjà pour se faire des glitches de publication, etc. Ça va pas servir à grand chose, mais ça sert toujours pour ceux qui voudraient savoir les promotions cette semaine. Ça, ces vidéos servent vraiment toujours et vous m'en demandez tout le temps. Donc cette semaine les gars, déjà, on a double RP et double argent sur les missions de contact. Ça, c'est bon à fond, je vous le dis direct que les missions, c'est ce qui rapporte le plus. La preuve, c'est que tous les véhicules que j'avais au début de mon jeu, du jeu, où j'ai vraiment débuté au niveau 0 avec mon personnage, je les ai fait avec des missions de contact. J'ai vraiment eu blindé d'argent avec ça. Là, elles sont double RP, double argent. Franchement, les missions, on gagne blindé. C'est vraiment amusant comparé à certaines activités qui sont chiantes. Et là, vous voyez bien qu'elles sont toutes en double RP et double argent, ce qui est plutôt vraiment pas mal. Donc on a aussi les gars tout simplement des récompenses d'oubli sous retour à la ligne. Donc ça, je pense que c'est des courses, je me souviens plus trop. Voilà, donc tout ce qui est retour à la ligne, on a tout simplement des double RP et double argent. On pourra aussi avoir les gars double RP et double argent dans les braquages de la phase finale de fin du monde. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc dans tous les braquages de la fin du monde en phase finale, vous aurez tout simplement double RP et double dollar. Donc franchement, c'est vraiment pas mal pour les braquages. Et on a aussi vous pouvez aussi terminer les missions de l'histoire du casino qui seront double RP et double argent. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous terminez les missions d'histoire du casino et hop là, voilà la monnaie qui rentre tranquille. Donc aussi, on a tout simplement, si vous jouez cette semaine, vous avez un nouveau t-shirt, le t-shirt Pegasi T. Tranquillou, ça fait toujours plaisir. Le nouveau véhicule pour la roue de la fortune, c'est le 4x4 28 Carrara. Voilà, au niveau du magasin de vêtements du casino, bien évidemment, on a toujours des nouveaux vêtements et ça change à chaque fois. Et au niveau des promotions, voilà, donc ce qu'on retient vraiment pour se faire de l'argent, les gars, pour moi, c'est vraiment les missions de contact, c'est le plus important. Et pour moi, je pense vraiment que les double RP et double GTA sur les braquages de la fin du monde, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi retour à la ligne, mais je trouve vraiment le plus intéressant, c'est braquages et les missions. Au niveau des promotions, on a pas mal de promotions. Je me suis trompé de site. On va aller sur Warstock, on va aller checker tout ça. Donc on a déjà l'oppressor. Voici, on a l'oppressor qui est en réduction. On a le truster qui est en réduction, les gars. Là, on a le Kanjali qui est en réduction. La Kula. On en a vraiment pas mal. Voilà, je pense que c'est tout au niveau des véhicules. Voilà. Non, c'est tout. Ouais, je pense que il y avait pas mal, mais je crois que c'est plutôt sur... Donc on a le Karakara qui a 668 750. Putain, j'ai bugué, désolé la team. Je crois que c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. On a la Pegasi Vortex. Là, voici. Pour celui... Voilà, je vous montre les promotions parce que pour ceux qui voudraient s'acheter de l'argent, plutôt de s'acheter des véhicules, c'est vraiment plutôt pas mal. On a la Western Gargano. Gargano, plutôt. Et je pense que c'est tout. Au niveau des Legendary Motorsport, la team. On a pas mal de promotions aussi, là, je pense. On va descendre, on a le Overflow de Tiro, la NTT XXR, la Haute Arche, on a le Akachu Drag, franchement super moto pour celui qui voudrait savoir, elle tire vraiment bien, elle est vraiment plutôt pas mal, et je pense que c'est tout. Et non, on a la NTT, la NTT XF, donc ça c'est vraiment un véhicule qui date, franchement putain, ça c'est vraiment un véhicule qui date. On a aussi
Donc ça, j'ai oublié de vous montrer. Et on a l'Avenger tout simplement qui est en moins 40%, les gars, pour celui qui voudrait l'Avenger. C'est le moment, franchement, c'est le moment, c'est l'instant. Faites-vous plaisir, la team. Voilà, donc l'Avenger à moins 40%. Et on a aussi moins 50% sur les complexes. Je vais vous montrer vite fait. Hop, on va aller voir les petits complexes tranquillou. Il faut savoir, les gars, que les complexes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui servent pour les glitches de duplication. Vous voyez bien, moins 50%, donc moitié du prix, les gars. Faut pas déconner sur ça. Celui qui veut s'acheter un complexe, il le fait. Et en plus de ça, il y a même les extensions et les améliorations qui sont à moins 50%. On a aussi les appartements de luxe, les gars, qui sont à moins 50%. Il y a encore un glitch qui fonctionne que je vous ai montré. Appartement de luxe, faites-vous plaisir. Regardez les gars, ils sont à 550 000 à 452 000, c'est juste énorme. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas aussi, bien évidemment, pour ce compte Twitch Prime, toutes les promotions sont à moins 80%, etc. Beaucoup plus d'avantages au niveau des Twitch Prime. Et je pense que c'est tout, les gars. Je vais juste vous montrer le contre-la-montre. J'ai été assez vite, mais voilà, il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Le contre-la-montre, il est ici. Si vous battez le temps de 1 minute 43 secondes et 40 centièmes, vous gagnez 51 000 dollars. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc n'oubliez pas, les gars, achetez-vous si vous n'avez pas le complexe. C'est du moins 50%, c'est du très lourd. Et appartement de luxe si vous n'avez pas, parce que c'est du moins 50% aussi. Moi, en tout cas, comme d'habitude, la team, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. C'était Fryze. On se retrouve ce week-end pour plein de vidéos, que ce soit duplication ou course. N'oubliez pas de m'ajouter sur mon compte secondaire FryzeYT pour pouvoir faire les courses avec moi, les activités, etc. Je vous souhaite plein de bisous, la famille. Je vous kiffe comme toujours. Merci de me suivre. Vous me faites kiffer. Allez, bye tout le monde.